nouvelle intéressante mais prévisible vient de tomber par rapport à Kémi Séba. Pour ceux qui ne le savent pas, apparemment l'Élysée veut retirer la nationalité française de Kémi Séba. Tout le monde sait c'est qui Kémi Séba, un panafricain anticolonialiste qui se bat justement pour la libération mentale surtout de son peuple. Bon, la nouvelle est tombée et je vais vous partager que le courriel du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer a envoyé à ce dernier. Accrochez-vous les gars, c'est chaud parce que le gouvernement français vient de commettre une erreur monumentale. Bonjour et bienvenue dans Parlons de Business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, hein? Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. L'argent. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'école de l'entrepreneuriat vient d'être lancée. On commence l'année en force. Les élèves qui y sont voient déjà les pépites qui sont lancées à l'intérieur. En commençant par la base, la recherche de l'idée. Ceux qui se demandent c'est quoi l'école de l'entrepreneuriat, c'est une école qui vient répondre à la demande des Africains pour savoir comment entreprendre. Donc comment lancer une idée et comment donc générer des revenus subséquents et sauvages. Je peux le dire, hein, sauvages à travers la compagnie ou le business qu'ils vont lancer. Je vous apprends tout à l'intérieur. C'est plus de 20 ans d'expérience personnelle que j'y mets, mais également l'expérience de mentors très connus, de plusieurs milliardaires très connus autour du monde. Donc pour ceux qui sont intéressés, regardez en bas, juste pour cette semaine, s'il y a une promotion de 20%, le lien à épingler, cliquez et je vous y attends. Si vous avez des questions, bien sûr, il y a un numéro également en bas et un email où vous pouvez nous contacter en tout temps. On revient au thème de cette vidéo-ci. On va parler ici de Kémi Séba, qui est, je pense, très connu. Hein? Et le gouvernement français n'arrête pas de le rendre de plus en plus populaire. Bon, avant d'entrer dans les détails, il faut comprendre la correspondance qu'on lui a adressée. Donc, Kémi Séba, il est né en France. Il est né en France et c'est drôle que le gouvernement français parle de droit de sol. Il n'y a pas vraiment de droit de sol, hein? Le droit de sol, c'est que tu nais quelque part, on te donne cette citoyenneté-là. C'est le cas ici aux États-Unis. Si vous venez en vacances, vous venez accoucher, vous venez en vacances par exemple, vous décidez de rester, puis oups, soudainement vous tombez enceinte, vous voulez accoucher, l'enfant naît sur le sol américain, le lendemain, l'enfant peut demander son passeport américain. En France, c'est pas ça. Donc, leur affaire de droit de sol, ah. Bon, on va prendre ça sous des pincettes. Alors, la direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité, sous direction de l'accès à la nationalité française, bureau des affaires juridiques, a contacté donc Kémi Séba et la missive est adressée à ce dernier. Son vrai nom, c'est Stélio Gilles Robert Capochichi. Bon, né le 9 décembre 1981, on va passer vite, à Strasbourg, donc il est bien en France, de deux parents français d'origine béninoise. On donne le nom de son père, le nom de sa mère, la date de naissance. Vous vous êtes vu attribuer à la naissance la nationalité française au titre de l'article 18 du Code civil ainsi que la nationalité béninoise. Au titre de l'article 12 du Code de la nationalité béninoise. Ici, il faut mentionner que pour lui, je pense que c'est un cas à part parce que je pense que ses parents étaient français. Donc pour lui, c'est un peu différent des autres immigrés qui doivent justement attendre d'avoir 18 ans pour avoir la nationalité. Or, par un courriel du 30 août 2023, les services de sécurité ont appelé mon attention sur votre situation. Des éléments portés à ma connaissance, il ressort ainsi qu'installé depuis 2017 au Bénin. Après avoir vécu au Sénégal, vous vous livrez depuis plusieurs années à divers agissements destinés à attiser dans les pays d'Afrique de l'Ouest, en passant je suis de l'Afrique centrale. Et non, il n'est pas juste, je pense même que c'est un peu diminutif. Hein. Kémi Séba touche le monde entier, il touche les Antilles, il touche les gens ici aux États-Unis, il touche l'Europe, il touche les gens du côté du Moyen-Orient. Il touche les gens de partout. Donc, de dire de l'Afrique de l'Ouest, un sentiment anti-français. Bon, vous voyez, il y a déjà beaucoup de choses attaquables. Hein. C'est un sentiment anti-français, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense qu'il n'a rien contre les Français. Rien du tout. Je n'ai jamais entendu ces derniers parler mal contre les Français. Ils parlent mal contre le gouvernement français. Je ne suis pas juriste, hein, les gars, bien qu'entouré de plusieurs juristes. Juste pour vous dire comment ce mail est déjà attaquable. Depuis le Bénin, vous êtes ainsi particulièrement actif sur les réseaux sociaux et sur les sites de partage de vidéos en ligne. Où
sous couvert de prise de position hostile à la politique étrangère du pays, vous diffusez des messages particulièrement virulents, voire outranciers contre la France, ses représentants et ses forces militaires. Maintenant, ils ne parlent plus du sentiment anti-français. Là, maintenant, ils sont spécifiques, incitant à la rébellion contre les autorités locales jugées proches des autorités françaises et portant régulièrement des accusations graves contre ces dernières. Oh là là, très intéressant. Vous organisez ou participez en outre à des manifestations et conférences dans divers pays, au Bénin, en Guinée, au Mali, au Niger, mais également en France et notamment dans certains départements d'outre-mer, à l'occasion desquels vous diffusez des messages hostiles à la France, critiquant la présence française en Afrique, que vous qualifiez de néocolonialisme, pardon, je lis une missive française. If you want me to switch to English, I can do it, okay? But let's keep it in French, because it's the French stuff. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, puis le Burkina Faso ont ainsi procédé à votre expulsion de leur territoire. Bon, et le Burkina Faso, il faut dire quand ça arrivait, hein? C'est pas le Burkina Faso de maintenant, ouais. Il y a trop de manipulation dans cette missive, quoi, franchement. Votre comportement et vos propos, révélant une posture constante et actuelle, résolument anti-française, susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts français, et de nature à caractériser une déloyauté manifeste à l'égard du pays dont vous avez la nationalité, j'ai à cet effet décidé d'engager à votre endroit une procédure de perte de la nationalité française au sens de l'article 23.7 du Code civil. L'article 23.7 du Code civil dispose ainsi. C'est là où tous les influenceurs qui ont pris les papiers français, vous allez voir qu'ils vont même plus arrêter de parler de la France. C'est éteint. Les plus courageux vont continuer. Parce que comme j'ai dit, c'est très attaquable. Le français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré par décret, après avis conforme du Conseil d'État, avoir perdu la qualité de français. Vive la République! Ça, c'est moi qui ai rajouté, vive la République. Parce que ça ne fait aucun sens. Où est le droit d'expression? On ne sait pas. On continue la missive. Il apparaît par ailleurs des éléments qui m'ont été communiqués par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Wouh! Kémy Séba, tu as fait fort, hein? Wouh! Mais en fait, on va parler des effets néfastes de cette missive. C'est-à-dire que le gouvernement français, vous vous rappelez lors des élections, je vous disais que c'est important que Macron revienne au pouvoir. Mais sa politique extérieure, c'est... Mais en fait, quand je disais ça, c'est important par rapport à l'Afrique, parce que la manière qu'il conduit les affaires, il y a beaucoup de choses que des gens comme Sarkozy et toutes les personnes machiavéliques d'avant, là, OK, n'auraient pas laissé passer. Mais bon, écoutez, ce qui est fait, et puis je pense que chaque chose a une raison d'être. Qu'ayant conservé la nationalité béninoise, le prononcé de la perte de la nationalité française n'aurait pas pour effet de vous rendre apatride. L'ensemble des conditions propres à initier la procédure de perte de la nationalité française étant réunies, le gouvernement a décidé d'engager à votre endroit cette mesure. Laissez-moi continuer sur la dernière page. Sur les dispositions combinées de l'article 23-7 du Code civil et 59 du décret numéro 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte d'échéance et de retrait de la nationalité française. Mais ce gars-là, il crache tellement sur ce papier-là. Ah! Le retournement. C'est-à-dire, quand vous allez voir la réponse de ce gars, vous allez vous dire. Surtout ceux qui glorifient la France. Ceux qui glorifient l'État français dans sa barbarie-là. L'information, ça ne va pas passer. Comment quelqu'un s'en fout de ça? Comment? Hein? Pour vous dire que le gars est déjà à un autre niveau. Vous trouverez ci-joint le document intitulé « Notification d'un projet de perte de la nationalité française » qui expose les motifs de droit et de fait justifiant l'engagement de cette procédure que je vous demande en application de ces dispositions de bien vouloir signer. Vous disposez d'un délai d'un mois suivant la réception de la présente lettre pour me faire parvenir vos éventuels blablabla. Je vous prie de croire, monsieur, à l'esprit de bla. Pour le ministre et par délégation, le sous-directeur de l'accès à la nationalité française, Cédric quoi? Cédric Debon. Bon, je vous ai lu la missive qui est tombée, que Kémy Séba a reçue. Donc apparemment, ce dernier serait en train de perdre sa nationalité française parce qu'il a exprimé
et il a relaté des faits, on va pas lui en vouloir, hein. Si on lui dit que les Français sont venus au Cameroun, ils ont décimé une bonne partie de la population du côté de l'ouest du Cameroun, on va t'en vouloir de quoi? Ce sont des faits. Donc là, présentement, ce qui se passe, c'est que le gouvernement français s'est sûrement dit que, en lui retirant la nationalité française, on pourrait ainsi limiter ses déplacements et donc limiter les dégâts que ces derniers font. Déjà, de recevoir ce genre de missile, franchement, c'est la preuve concrète que ce gars fait un travail de malade. Parce que les gars, on ne jette pas la pierre à un arbre qui ne porte pas des fruits. Quand l'arbre là porte des fruits, on attaque l'arbre là. Mais l'erreur, au-delà de tout l'erreur que le gouvernement français a fait, et c'est également une erreur qu'il a fait avec du côté de Nathalie Nyambe, notre grande sœur, ou notre maman pour certains, c'est le fait que dans leurs décisions, ils rendent ces personnalités de plus en plus célèbres. Ils ont oublié l'importance de l'ère dans laquelle on vit, l'importance des réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'information se propage comme ça. Cette vidéo sera vue, je filme de New York, au Brésil, en quelques secondes, hein, en Chine, parce que j'ai du suivi un peu partout, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en quelques secondes. Dans ce genre de décision, s'y rend encore le gars plus célèbre. Et ça pousse même soit les Français, soit les non-Français à se demander non seulement c'est qui ce gars, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et en allant suivre son contenu, les gens réalisent la véracité de ses mots. Quand il prend des faits et qu'il expose des faits, c'est un fait. Est-ce que c'est discutable? Peut-être pour certains. La France vraiment ne joue pas. Au niveau de la stratégie, je ne pense pas qu'elle soit... Je ne sais pas ce qu'il en est de ce gouvernement-ci. Mais au niveau de la stratégie, franchement... Bon, écoutez, comme on dit, une fin à tout, hein. La roue tourne. Elle ne pouvait pas rester au sommet, dans... les choses un peu louches, un peu floues trop longtemps. Il y a des gens qui sont allés fouiller, chercher la vérité, faire ressortir cette vérité-là. Mais également, un point que je voulais mentionner ici, ce qui serait très intéressant pour les amoureux inconditionnés de la France, surtout pour certains, peut-être certains politiciens, c'est que cet acte de Kémi Séba, parce que je ne sais pas ce sera quoi la suite, mais je vais aller un peu regarder sa réaction, va créer une dissonance cognitive chez beaucoup qui, pour eux, idolâtreraient, c'est-à-dire s'ils ont ce passeport, ils vont se plier. Ils seront prêts à vendre leurs âmes pour le passeport du patron, du colon, du maître, bien qu'il soit barbare. Du maître, néanmoins. Parce que quand tu dis maître, tu mets barbare. Quand il n'y a pas de dissonance cognitive, beaucoup ne réalisent pas que quand on dit colon, là, en fait, on doit mettre le barbare à côté. Avec les actes atroces qui ont été commis autour du monde. Et ce n'est pas juste des barbares qui ont juste agi en Afrique. Hein. Partout où ils sont passés, c'est des cadavres qu'ils ont laissés. Donc, à l'aide du digital, est-ce que limiter les déplacements physiques de quelqu'un vont limiter le mouvement? Au contraire, en lui jetant la pierre, on est en train même de prouver que ce qu'il fait porte des fruits. Ha! Attention les gars, hein? Attention! Beaucoup de descendants africains ou même d'Africains sont allés à votre école. L'école de votre pensée et de faire des choses. Donc, on a beaucoup d'intellectuels qui ressortent de là. On a des gens qui peuvent lire entre les lignes. Et vu qu'on vit dans un monde connecté, on a également des contenus de stratèges, que ce soit des stratèges européens, des stratèges africains, des stratèges aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on lit entre les lignes. Je trouve que c'est une erreur grotesque que la France vient de faire. Vous êtes en train de rendre ce gars encore plus célèbre. Je ne dis pas que c'est mal, hein. C'est juste qu'au niveau de l'échiquier, ils n'ont pas su bouger les pions. Bon, certains m'ont dit malheureusement, certains m'ont dit heureusement. Et quant aux autres panafricains qui ont la citoyenneté française, ne vous laissez pas... Bon, maintenant on va dire ça, c'est là que vous allez vraiment voir les panafricains, les vrais panafricains qui vont continuer à parler. Parce qu'après ça, il y a certains panafricains, surtout le gens qui est calé là-bas, qui parlent. Là, soudainement... Le panafricanisme là pourra s'éteindre, hein? Ok? Mais connaissant la hargne de Kémi Séba, je pense que l'on vient encore de mettre le feu à autre chose. Malheureusement pour la France, c'est clairement le début de la fin. Leurs actions, c'est juste la preuve que c'est le début de la fin. Bref, les gars, dites-moi ce que vous pensez de cette missive de Kémi Séba. Est-ce que vous pensez que le gouvernement français a
bouger le pion de la bonne manière. Vous pensez que ce sera quoi la réaction de Kimi Seba? Bon, ceux qui le connaissent déjà ont une idée de ce sera quoi sa réaction par rapport à ça. Et est-ce que vous pensez vraiment que le panafricanisme est en train de bouger? On est en train de bouger les choses. Les choses sont en train de bouger en Afrique. Et que tout ce qui est résultante du colonialisme, on est en train d'écarter et de faire ça sortir de l'Afrique. Je vous attends dans les commentaires. Peace out.